concept américain là, le rehousing ça s'appelle. Rehousing. Bah c'est simple, c'est un Tinder pour enfants adoptés quoi. C'est génial! Non. Non. Il a l'air pas mal ce petit Paul là. Acheté il y a 2 ans, comme neuf, fonctionnel, nous nous en séparons avec regret pour cause de déménagement. Ouais, sauf qu'on parle pas d'un canapé là, hein. On parle d'un gosse. Au risque de me foutre la Ligue de défense des droits des méridianados, bah c'est pas pareil, hein. Dis, Paul, si tu veux que je te garde, il va falloir ranger ta chambre, ok? Dire qu'en France, ils en sont toujours à s'écharper sur la GPA, la PMA. Autoriser les gens qui s'aiment à devenir parents d'un enfant en passant par de multiples examens psychosociologiques, en ayant le stress que ça ne fonctionne pas. Mais c'est has-been ça! Avec Second Chance, un clic et 4 500 € plus tard, tu peux en adopter jusqu'à 10! Et c'est ça le futur! C'est formidable! Génial! Ah, Nadine. Nadine, Nadine, elle aime la jerk et la biguine. Nadine, Nadine. T'as entendu Nadine Morano sur Europe 1, je présume? Comment ça, c'est qui Nadine Morano? La nouvelle conseillère de Laurent Wauquiez. Comment ça, c'est le nouveau président des Républicains? C'est quoi les... Bah oui, voilà, celui qui a vu la Vierge. Enfin, non, Sœur Emmanuel. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Sûrement sur conseil de Nadine Morano, d'ailleurs. C'est bien son genre de s'inventer des amis pour justifier ses élucubrations. Faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Nadine, elle est pas raciste, hein. Mais non. J'adore le couscous et les briques à l'œuf. C'est simple, Nadine, c'est un peu ta grande-tante, tu sais, qui débloque souvent, mais que t'invite tout le temps. Même que, tu sais, ta mère, elle te coach avant chaque repas, genre... Si tante Monique dérape, et elle va déraper. Tu te tais! Pourquoi on continue à inviter déjà? Tu te tais! Je ne comprends rien au projet de service militaire du gouvernement Macron. C'est plus quelque chose, toi? Ah, service national. Pas militaire, du coup? Si. Non, enfin, on sait pas. Non, parce que les militaires, ils veulent pas de normaux dans leur rang. Donc, c'est embêtant pour un service militaire. En tout cas, c'est obligatoire. Obligatoire. Enfin, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est pas facultatif, ok? Attention. Et ça concernera une tranche d'âge dans sa globalité. Comment ça, laquelle? Une tranche d'âge. 18, 23... Dans sa globalité. T'as entendu? Combien de temps? Bah, le temps qu'il te faudra. 3 mois, une semaine, ça durera. D'accord? Il y aura une durée. Dans sa globalité. Obligatoire.